Hello les amis, bienvenue sur Slory TV. Ce soir, je vous propose une petite vidéo. C'est le genre de vidéo que vous pouvez regarder à la descente du boulot pour vous détendre avant de rentrer dans le journal télé, d'entendre encore des mauvaises nouvelles. Je vais vous faire une intro vraiment courte parce que je veux que la vidéo soit courte. J'ai décidé de vous faire des vidéos de comparaison de produits. En fait, j'étais au supermarché ce week-end et j'ai vu des flans aux œufs et des crèmes aux œufs. Et je me suis dit, mais mince, je me souviens pas trop quelle est la différence entre les deux. Et ça m'a donné envie de commencer à créer des vidéos de comparaison. Donc, je vais vous faire des comparaisons un peu de tout un tas de produits. Je vais bien voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous préférez entre les flans aux œufs et les crèmes aux œufs. Voilà. Donc commençons la comparaison. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, on va commencer par ça. Alors donc on voit que les flans aux œufs, donc c'est 2,3 g de matière grasse, 1,3 g d'acide gras saturé. Voilà. Alors que sur les crèmes, ok. Est-ce qu'on va finir par avoir, j'ai une mouche en plus qui m'embête. Est-ce qu'on va réussir à avoir la mise au point un jour? C'est compliqué, hein. Ok. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc c'est 6,5 g de matière grasse et 4 g de saturé. Donc la crème aux œufs est plus grasse. Ensuite, au niveau des sucres, donc 19 g de glucides, 15 g de sucre pour les flans. 19 g de glucides, 17 g de sucre pour les crèmes aux œufs. Donc c'est kiff kiff, c'est pareil. Au niveau des protéines, décidément. Je suis vraiment désolée, hein. Je sais pas pourquoi ça perd la mise au point tout le temps comme ça. C'est juste embêtant. Bon, je vais vous le dire directement parce que franchement, là, c'est incroyable. Je n'arrive pas à voir la mise au point ce soir sur les produits. Ça y est, donc 3,7 g pour les flans, donc en protéines, contre 4,3 g pour les crèmes. Donc les crèmes sont légèrement plus protéinées. Donc maintenant on va voir au niveau de la texture. Donc ce sont des boîtes de 4. Voilà, il y a 4 flans, 4 crèmes aux œufs. On va voir au niveau de la texture. Donc voilà la texture, on voit bien la différence entre le flan qui est plus fripé, la crème. Voilà. Donc voilà la texture du flan et
la texture de la crème. Voilà, voilà. Et enfin, pour finir la comparaison, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, donc les crèmes aux œufs font 1,46€, alors que les flans font 2,71€. Donc pour la même quantité, hein, 4 flans, 4 crèmes. Et en ayant testé les deux, donc au final, moi je préfère la crème. Donc c'est meilleur au goût et ça coûte moins cher. Il y a quand même... Il y a quand même 25 centimes de différence, alors que les crèmes aux œufs sont meilleures et les crèmes aux œufs sont légèrement plus protéinées et elles sont plus grasses. Voilà, voilà pour cette première comparaison de produits alimentaires. Mais bon, je pense que dans les comparaisons, je testerai pas mal de choses. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, les crèmes aux œufs ou les flans, et ce que vous souhaitez que je teste à l'avenir. Allez, bisous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à Slory TV. Bisous.